Moi, c'est le pasteur David Marie, le pasteur principal et aussi le président de DM Ministries. Il y a une autre ligue qui m'a apprécié dans la Bible, c'est le roi David. Mais c'est une ligue royale, la Bible déclarée. Encourage-toi afin que réellement tu es capable de découvrir cette personne. Afin que réellement tu es capable de découvrir que l'Esprit bon Dieu est là pour toi. Dieu dit Dieu plutôt, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Écoute ça bien. Et vos vieillards auront des songes. Yod King qui bon Dieu bénit toi abondamment. Est-ce qu'il m'en prie? Ah, me trouve Yod ici qui finit mettre I'm ready. Avancez, pasteur. Mon prie. Allez, réagir. Mon prie pour recevoir la parole de Dieu. Mon prie pour recevoir. Moto, 5 personnes connectées ce soir. Soit 5, I'm ready. On commence la parole de Dieu. Yes, après 5, I'm ready. 5 personnes. Écrire, I'm ready. Mon prêt, pasteur, pour recevoir la parole de Dieu. Ah, yabako, c'est qui était beau, chaya. Les beaux sakabako, tobo, soto, beau chanta. Ah, une deuxième personne. Perrine Marie-Laurence. Bonne prêt pour recevoir la parole de Dieu. I connect. Receive in Jesus' name. Hallelujah. Encore une troisième personne. Karaba chante bo soko tobo chanta. Rekete bo shikaba koto lobo santa bala saya. Aïe. Mon pédé dans Jean le chapitre 15. Prépare-toi pour recevoir une révélation. Tout cahier notes important ce soir. Les choses de Dieu pour commencer à faire la différence ce soir. Pour le beau Shabakaya. Qui était côté beau Shikambaya, un te beau Saya. Alléluia. Je demande de sortir sa live là avec ban like, avec ban care. Il bien important, me faire mon port, Jésus fait ce port et aussi ou faire au port. Amen. Hallelujah. Je fais la lecture, je lis à partir du verset 12. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne, écoute ça bien. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Écoute ça bien. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Ici, c'est Jésus qui peut causer. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai appris de mon père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Écoute ça bien, établi. Afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Alléluia. Et que votre fruit demeure
pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et quelque chose qui est bien important, qui nous vient comprendre ce soir, et Jésus-Christ est venu sur la terre pour manifester l'amour. Yes, les fins viennent sur la terre pour manifester un amour immense. Les fins viennent sur la terre pour manifester un amour immense parce qu'il est content en nous. Je te connais souvent des fois, nous capable dire comment mon habitier servit sa langage et c'est un langage qui nous servit dans nos îles camarades Cameroun. C'est un langage qui vraiment un dimoun pour dire cela quand celui qui est blessé, quand il finit trahi, pour quelqu'un qui finit faire confiance, quand il finit être rejeté, ou soit qui un quelqu'un fin un exemple fin cause au causé, ou même fin exemple fin coquin vole ce mari, vole ce femme, soit fin mettre des autres dans ce foyer, soit fin trahir lui dans l'école, etc. Et de nos jours, nous pouvons vivre dans une situation, nous pouvons vivre dans un moment que nous n'est plus capable de faire confiance à tout le monde. Nous n'est plus capable de faire confiance à n'importe qui. Nous n'est plus capable de faire confiance à n'importe qui s'en a. De nos jours, nous rencontrons une femme qui dit « Pasteur, je ne peux pas faire confiance à mon mari. » Pasteur, même un mari, dis-moi, pasteur, je ne peux pas faire confiance à ma femme. Il est dans le travail, je ne sais pas ce qu'il peut faire. Côté aller, je ne sais pas ce qu'il peut faire. Je ne sais pas ce qu'il peut faire de confiance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de séparations, beaucoup de problèmes qui font dans la vie, même dans le foyer. Chacun peut contrôler ce casse. Marilyn a ce casse, femme a ce casse. Et pourtant, quand je t'ai marié, corps et bien. Aujourd'hui, nous pouvons vivre une autre situation entre nos parents et nos enfants. Nous pouvons trouver que nos parents n'ont plus qu'à faire confiance à nos enfants. Nous trouvons que nos parents n'ont plus qu'à pas faire confiance à... Nos enfants n'ont plus qu'à pas faire confiance à nos parents et même nos parents n'ont plus qu'à pas faire confiance à nos enfants. Et il y a un autre langage qui m'a servi. Ah, vous connaissez, moi, je ne pas mettre la main dans le fait pour mes enfants parce qu'ils me connaissent comment ils étaient. Bien-aimé, Molé, ce soir, encourage-toi pour revenir vers la parole. Ce soir, mon papa seulement prêcher ou faire de l'enseignement, mais Molé exhorte-toi pour qu'il soit capable de comprendre ça fait bien important. Je te connais, les bons qui nous prêchent tout message, les bons qui nous exhortent, faire tout serment, tout l'enseignement, mais il y a des affaires qui ne nous ont pas oublié. L'amour. L'amour bien important dans toutes les choses. L'amour important quand tu es dans la casse. L'amour important même quand tu es dans la casse. L'amour important quand tu es dans les enfants et l'amour important quand tu es dans les enfants. L'amour important d'une relation. L'amour important d'un foyer. L'amour important dans tout ce qui nous fait. L'amour important dans le travail. L'amour important entre nos conjoints. L'amour important entre mamans enfants, papas enfants. L'amour important dans l'église. L'amour important d'une dénomination. L'amour important d'un ministère. L'amour important dans tout. Et nous en tant qu'un enfant de Dieu, et nous qui entend un enfant de Dieu, est-ce qu'il réellement nous est dans l'amour? L'amour de la vérité. L'amour pour dire la vérité à une personne. L'amour réellement pour pardonner. L'amour vraiment pour esquisser tout, comme un Corinthien 13 dit. Est-ce qu'il réellement nous peut vivre comme ça? Et ici, nous trouvons un exemple qui m'a tiré là-dedans. Jésus-Christ dit dans le verset 13, il dit comme ça, voici mon commandement. C'est le commandement de Jésus. Souvent, des fois, nous jeûnons avec une personne qui est religieuse. Nous disons, nous connaissons un commandement qui tient dans la loi. Nous connaissons un commandement qui tient dans l'Ancien Testament. Nous connaissons la loi, tu as besoin de faire ça, tu as besoin de faire ça, tu as besoin de faire ça, tu as besoin de faire ça. Et si vous autres, nous trouvons le mot commandement appliqué environ 3 à 4 fois. 3 à 4 fois.
Ça veut dire qu'il n'y a pas une affaire qui nous besoin dire nous pour choisir ou pas. Une quelque chose qui nous vient nous pour choisir. Une quelque chose qui nous dit non, moi pas envie. Ou soit nous vous dire c'est la loi ça. Est-ce que je peux comprendre moi? Il dit il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je connais l'homme parfait, comme Amofine fait l'introduction, commencement, l'homme parfait, le mari parfait, le chef parfait, l'époux parfait. C'est Jésus-Christ qui fait moi dire cela. Parce qu'il nous trouve les tout seuls qui sont capables de mourir pour nous. Les tout seuls qui sont capables de donner cela vie pour nous. Il dit ici, une personne qui est vraiment grand, une personne qui vraiment est dans l'amour, lui donne cela vie pour ce camarade. Ce soir, je suis venu pour cause à un type de personne, premièrement dans la famille, deuxièmement entre parents et enfants, troisièmement dans le mariage. Vous êtes souvent des fois, nous trouvons qu'il nous amène un verset biblique dans Éphésiens, dans Corinthiens, nous cause la femme bise soumette, nous cause l'homme bise content, la femme, comment Christ est content l'église, etc. Mais ce soir, mon vie focus loin de quelque chose. Pour dans la soumission, bise dans l'amour. Pour qu'un mari capable de comprendre ce content, ce femme, il bise dans l'amour. Et ici, il dit, peine plus grand quelque chose que ça, quand un quelqu'un donne sur la vie pour ce camarade. L'époque où dire pour ce femme, l'époque où dire pour ce mari, l'époque où dire pour ses enfants, l'époque où dire pour un ami. Et qu'est-ce que Jésus dit le verset 14, il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes, si nous tiens juste un petit guide l'amour, nous causons un langage assez zilois. Si nous tiens juste un petit pincé l'amour dans nous, mariage. Si nous tiens juste un petit pincé l'amour entre nous, mon camarade de l'école. Si nous tiens juste un petit pincé l'amour dans tout ce qui nous peut faire, dans nos travail, dans nos mariages, avec nos bons enfants, moi siézut, moi assiézut, moi assiézut, moi redire, nous tu pouvais vivre un petit guide plus meilleur. Capable ce soir-là que tu étais, tu peux écouter moi, tu peux réfléchir, c'est vrai. Et si moi tu capable d'ajouter un petit guide l'amour dans la relation qui m'ennuie avec moi, madame, si moi tu capable d'ajouter un petit guide l'amour entre moi et mes enfants. Entre moi avec mon grand garçon qui tout le temps nous discuter. Entre moi avec mon grand fille qui tout le temps non, on n'est pas moi correct. Non, on n'est pas fonctionne bien. Tout le temps, mon trolli pas bon. En tant que parent, tout le temps, mon trolli pas bon. Tout le temps, mon trolli désobéir. Tout le temps, mon trolli déshonore moi. Tout le temps, mon trolli in abaisse moi la tête. Mais si nous tiens juste un petit guide l'amour, moi, si vous, ou si vous venez un ami de Dieu. Bien-aimé, ou pas donne l'amour parce qu'il ou attend quelque chose en retour. Ou pas donne l'amour parce qu'il dit, ah, mon donné l'amour, là, mon donné 50% l'amour, alors moi, je vais recevoir 50% l'amour. Non. Quand nous donne l'amour à un quelqu'un, quand nous donne la vie par amour à un quelqu'un, nous pouvons être un ami de Jésus. Et le thème ce soir de sa exhortation-là, c'est comment nous bien faire pour venir un ami de Jésus. Vous êtes de nos jours et dans quelqu'un peut dire bien jeûner pour venir un ami de Jésus, bien prier, bien faire ban l'offrande, bien moi pas connais mon grain ban montagne, bien faire ban quelque chose extraordinaire. Vous êtes simple. Si dans tous les jours de nous la vie, nous commençons par ça, par amour. Grand matin nous lever, nous commençons apprécier le Saint-Esprit, respecter le Saint-Esprit. Et aussi, comment se guette nous donne la glace, comment dire, Seigneur, merci, parce qu'il te finit de donner la vie pour moi. Il y a beaucoup de personnes qui sont capables de connecter ce soir, qui là, qui sont capables de dire vraiment, si moi je suis capable, content moi-même, moi je ne suis pas content les autres. Combien de personnes, combien de chrétiens de nos jours, je te lève grand matin, je ne pas prêcher chez eux. Je ne pas qu'à Dieu dans le miroir, je ne pas qu'à Dieu dans la glace, je ne pas qu'à Dieu même, tellement je déteste eux.
Tellement je trouve que tu ne fais pas rien. Tellement je trouve que tu commets un péché. Tellement je trouve que tu, comment dire, je fais une vive banquitude négative. Je fais une vive banquitude horrible. Je fais une vive banquitude qui vraiment pas fait une plaire à Dieu. Et je ne finis commence à détester moi-même. Je dis, ah non, moi, pas content moi-même. Je n'ai plus pour de soin. À cause de finir vivre un divorce, à cause de finir vivre une séparation, je n'ai plus content. Je... Ah, mon frère, monsieur, ce soir, je suis venu pour annoncer toi. Kadaba, chante. Je suis venu pour annoncer une personne ce soir. Un des quelqu'un qui est vraiment extrêmement content toi. Puisqu'il te marie. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a une personne qui n'a pas réagi ce soir? Alléluia. Plus qu'il te femme, plus qu'il te maman. Oui, plus qu'il te papa, laisse-moi annoncer toi, dit. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est un amour qui peine à prier. C'est un amour qui vraiment peine à prier. À plus forte raison, vous êtes. À la place qui nous peut biser benchmark, nous peut biser copier l'eau les autres qui te sauvent. Dénézou, nous trouvons beaucoup de stratégies. Comment nous capables content nous marier plus? Comment nous sommes pas contents nos femmes plus? Moi pas dire qu'il dit pas bon. Comment nous sommes pas contents nos enfants plus? Et n'a beaucoup de principes, beaucoup de stratégies que l'homme peut établir. Mais une seule petite chose qui me l'encourage, revient vers la parole de Dieu. Première petite chose qui est bien important, c'est retourne vers la parole de Dieu. Jésus-Christ dit, si je te fais ce qui me commande de faire, je te m'obane ami. Parce que ça verset 13 qui lui dit, il dit comme ça, mon fin, au fait, ça verset là peut montrer que Jésus-Christ pour aller faire la croix. Il peut donner sur la vie afin qu'il nous vive. Il peut venir nu afin qu'il nous ait vêtu. Il peut venir pauvre afin qu'il nous enrichisse. Il peut venir une malédiction afin qu'il nous vienne une bénédiction. Souvent, des fois, nous disons, je ne suis pas content, je ne suis pas capable de faire ça, je ne suis pas capable de faire ça. No worry. Mais est-ce qu'il te guette pas l'autre côté? Tu ne guettes simplement face pile. Est-ce qu'il te guette face. Est-ce que tu peux comprendre moi? Je ne guette simplement si le côté avec un seul regard, un seul léger. Mais tout le monde te guette maintenant. Guette un petit guette de l'autre côté. Ce que toi, tu n'as pas capable de faire pour les autres, et n'est-ce qu'il n'y a pas de pour toi. Ce que toi, tu n'es pas capable de faire pour les autres, il n'y a qui qu'un fait pour toi, la croix. Ce que toi, tu n'es pas capable de faire pour tes femmes, il y a un Jésus qui fait faire pour toi, la croix. Il y a beaucoup de gens qui disent, parce que tu n'es pas capable de donner mes femmes, parce que tu n'es pas capable de donner mon mari, tu n'es pas capable de donner mes enfants, tu n'es pas capable de donner mon maman, mon papa. Laisse-moi dire, toi, Jésus ne fait pour toi. Ah, Jésus-Christ, il ne fait pour toi, la croix. Capable, laisse-moi dire une affaire. Souvent, des fois, nous avons envie que Jésus-Christ donne-nous les temps. Pierre finit tout Jésus. oui, Jean finit tout Jésus. Nous avons envie que Jésus là, pour qu'il vraiment nous trouve, que Jésus est mort pour nous de la croix. Ah, bien-aimé, connais-toi avant même que ton maman, ton papa décide pour mourir. Ah. Est-ce qu'il y a une personne qui peut comprendre ce que je veux dire? Avant même qu'il te marie, Dieu connaît toi. Avant même qu'il te décide pour gagner des enfants, avant même qu'il te n'ait le désir pour une maman, Dieu connaît ses enfants qu'il met dans tes entrailles. Dieu connaît et Dieu finit compte en lui. Nous sommes intéressés pour suivre les pas de Christ. Est-ce que nous sommes intéressés pour faire ce que Christ fait? Donne sur la vie. Bien-aimés, aujourd'hui, nous trouvons un manque d'amour dans les églises, un manque d'amour parmi les leaders, un manque d'amour parmi les corps de Christ, un manque d'amour parmi les corps pastoraux de l'île Maurice. On trouve le pasteur parce que le pasteur, le pasteur parce que le prophète parce que le bishop parce que le... un manque d'amour. Et pourtant, tu peux dire Jésus-Christ, il mourra la croix pour nous. Je peux donner sa vie. Chapitre 3, verset 16. Quand Dieu a tant aimé le monde, je suis tout capable, une seule dimanche, presque tout ça dans cette église. Mais comment nous sortir? Le Dieu a dit, moi, parle de toi à côté de Sanana. Sanana, vous dites, moi, parle de toi à côté là-bas. Si tu vives ici, moi, parle de toi là-bas. Si tu vives ici, moi, parle de toi à faire ici. Moi, parle de toi à côté de ça, le pasteur là, moi, parle. Un manque d'amour pour mes bandits. Il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec ce qu'ils peuvent dire, mais tout le monde connaît la vérité. Ou capable pas de ouvrir la bouche pour dire ça, mais lis la vérité. Hein, moi je suis de Paul. Toi,
Maman coûte un deal, toi t'as le coûte un deal. Par fréquente là-bas, par là-bas, tu es obligé de choisir. Si tu es là-bas, tu n'es pas venu ici. Si tu es ici, tu n'es pas venu là-bas. Un manque d'amour. Et voilà qui peut empêcher nous réussir. Voilà qui peut empêcher nous réussir. Parce que est-ce que l'amour dans nos problèmes financiers, il y a une solution? Est-ce que l'amour dans nos prospérités, il est important? Oui, il est important. D'extrêmement important. Non pas qu'il connaît cause finance, n'oubliez l'amour. Même dans les finances, Dieu est amour. Nous vous trouvons un petit moment. Quand moi, mon fils, étudier sa vaisselle d'une autre facette, mon Dieu Seigneur, me donne-toi gloire. Combien, vous êtes combien qui ken, qui des fois, je peux blesser le Saint-Esprit, je peux attrister le Saint-Esprit. Hey, m'a parlé toi là-bas, m'a parlé toi, fais comme ça du monde là. Personnellement, moi-même, combien, mon être victime de combien qui ken. Nous allons prier, nous faire tout. Dernier l'air, je vais venir. Vous connaissez, pasteur, souris, vous connaissez, mon petit travail, sous l'autorité, sous l'autorité de tel homme de Dieu. Alors, nous ne pouvons pas continuer à fréquenter. Mais pourtant, j'ai une gazette de miracle, pourtant, j'ai une gazette de bénédiction, pourtant, bon Dieu, de manifester quand nous prier. Vous êtes une affaire qui nous faisait comprendre. Touche à l'église là, un jour, pour retourner là-haut. Nous pensons de l'échelle. Ah, mon frère, là-haut. Pas pour l'église X, pas pour l'église Y. Nous tous bien vivre dans l'amour. Est-ce que je peux comprendre ce que je peux dire? Les bien, vous êtes les bien importants. Combien de personnes de nous, vous êtes, je peux blesser les cœurs? Je tout penser, saisis-je qui vous gagne paradis, saisis-je qui finit justifié, saisis-je qui finit pardonné, saisis-je. Et il y a un manque d'amour. Laissez-nous un moment vraiment nous capables de prier, nous dire Seigneur, donne-nous de l'amour. Maintenant, un deuxième, pour qu'il nous capable de terminer ce soir, laissez-nous nous capables de prier pour ça avant. Nous prier pour nos pays. Nous prions pour l'île Maurice et nous prions pour nous les cœurs. Afin que vraiment bon Dieu remplisse nous sur l'amour. Vous êtes, moi, je ne suis pas content de vivre dans l'hypocrisie. Tout le temps, je dis cela. Quand vraiment, je ne suis pas à l'aise, je dis franc, je ne suis pas à l'aise. Mais elle nous a fait que tout le temps, je dis Seigneur, fais-moi compte de l'amour. Capable vraiment, je peux trouver quelqu'un qui ne peut pas apprécier ça du monde là. Mais Seigneur, pour moi, je ne peux pas faire. Les deux mêmes qu'un enfant, pour lui-même, il n'est pas capable. Tellement ce parent fait une blessure, il n'est pas capable. Les deux mêmes pour une mari, une femme. Quand ce femme est trompée, quand ce mari est trompée, il n'est pas capable. Juste l'amour de Dieu qui est capable de faire cela dans le cœur. Juste l'amour, mon Dieu, qui est capable de faire cela dans le cœur. Regardez ce que la Bible dit ici, le verset 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Est-ce qu'il se trouvait que l'amour bon Dieu fait? L'amour bon Dieu dit, établis-toi. Ce soit une personne qui peut écouter moi capable de te faire abandonner bon Dieu, te faire délaisser bon Dieu, te faire abandonner la présence de Dieu, te faire soit arrêter à rassembler dans une place tous les dimanches, te faire délaisser bon Dieu, te faire vraiment décourager, un quelqu'un fin décourage toi, te faire un problème que tu trouves personne pas venir visiter toi et là te faire décourager. Et là tu dis fini. Je l'annonce toi qu'à partir de ce soir, de visitation commencée. Ah, à partir de ce soir, de visitation commencée. L'établissement, c'est une chose bien importante dans la vie.
Tout le monde peut être établi financièrement dans le mariage. Il y a quelques jours de cela, il y a un message qui m'a recevoir vu qu'il ne peut commencer à prendre une requête de prière. Et quand je combine tout ça requête ensemble, je remarque une petite chose. Chaque monde fait une petite chose qui fait vraiment toucher moi. Cinq petites choses. Pasteur a prié pour moi la santé, pasteur a prié pour mon mariage, pasteur a prié pour mes enfants, pasteur a prié pour mon travail. C'est une petite chose qui est vraiment primordiale. Mais ici, nous trouvons que Jésus-Christ dit, si tu fais ce qui me commande toi faire, mange dans l'amour, mais pourquoi? Établis-toi. Au fait, il dit, mon fini, établis-toi, mange dans l'établissement de Dieu. Beaucoup de personnes ne peuvent pas régner dans la vie. Qui fait parce qu'ils ont le papier moche dans l'amour. Mon frère, mon sœur, l'homme, il est content demain, après demain, il est divorcé. Écoute ce qui m'a dit. L'homme, aujourd'hui, il est content, demain, il n'est pas content. Peu importe qui te l'a comme un enfant, qui te l'a comme un adolescent, qui te l'a comme un jeune adulte, qui te l'a comme un parent, aujourd'hui, tu es content, demain, tu arrêtes content. Par le même la langue qui te fait dire mon garçon, mon compte à toi, demain tu vas dire mon détester toi. Ça c'est l'homme ça. C'est comment nous pouvons faire cela? Simple. C'est demander dans la prière, Seigneur, remplis-moi avec de l'amour. Remplis-moi avec de l'amour. Bien aimé, moi pas connu qui te peut attendre ce soir. Capable de t'attendre parce que c'est David live. Mais là, puis vraiment motive toi. Vous êtes des fois. Quand moi, je fais ma retraite personnelle, quand bon Dieu demande un message et je simplement obéir. Je vous ai choisi. Écoute ça bien là. Il dit, mon choisis toi et mon établis toi. Après, il dit, afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Dis-moi qui vous attend ce soir. Et la personne qui est connectée ce soir, te fait une grande rancune de tous les cœurs, te fait une grande amertume, te fait vivre dans l'impardon. Comme il est temps, comme il est banané. Comme à chaque fois, me dire, rancune peut faire coria dans ton âme. L'amertume peut faire coria. Pardon peut faire coria dans ton âme et tu peux envie prospérer. Tu peux guider ban prophète, tu peux guider ban apôtre, tu peux guider ban bishop, tu peux aller de l'église en l'église, juste pour qu'il soit capable de trouver une guérison, un changement. Mon frère, mon sœur, ce soir, demande ta guérison, demande ta délivrance. Si tu es là ce soir, tu peux écouter sa parole là, mon demande n'a pas quitté ce live pour une quitteuse banale, parce que ce soir, bon Dieu, envie de localiser toi. Toi qui l'a qui jamais capable de donner, toi qui l'a qui jamais capable de supporter, toi qui l'a qui jamais incapable de dire comme ça, tiens la rancune, tiens la haine de mon équerre, parce qu'ils m'ont viré ici. Vous êtes quand je te servir ici là, des fois nous apprenons les simples comment certaines personnes disent un récit. Vous êtes c'est pas un récit, c'est une parole vivante qui nous cachait derrière là. Beaucoup de personnes ont envie d'établir, beaucoup de personnes ont envie de réussir, prospérer dans la vie, mais simplement vous n'êtes pas allé vivre dans l'amour. Vous n'êtes pas allé vivre dans l'amour. Et que vous allez et que vous portez du fruit. Qui fruit il peut causer là? Beaucoup de personnes ne sont pas capables de porter fruit. Et l'université dans la Bible disait, si je ne pas porte pas pour de fruit, mais beaucoup de gens sont dans du fait. Ça va une personne, c'est un candidat au feu. C'est un candidat au feu. C'est une personne qui simplement pas peut porter aucun fruit. Je ne suis pas capable de porter un fruit qui fait l'amertume, la haine. Tu n'es pas capable de trouver un qui peut avancer. Tu n'es pas capable de trouver un qui prospérer. Tu n'es pas capable de donner envie de connaître. Oui, comment tu le fais? Qui te le fait? Comment tu gagnes ça? Tu rentres la carte, tu dis chérie, moi ici, j'ai envie de gagner ce qu'il vient de gagner. Chère maman, toi qui l'as, chère soeur, toi qui l'as, avec tout le respect qui m'a pour jeter, laisse qu'il nous abandonne ce style de vie-là. C'est pas à cause de ton côté de quelqu'un qui te trouve un petit côté qui te dit que tu fait pareil. À cause de la personne qui pète sur la case Grena, tu si tu faisais pète sur la case Grena, vous êtes, il l'est pour qu'il nous abandonne ce style de vie-là.
qui fait nous pas réussir, qui fait nous pas prospérer, qui fait nous pas avancer. C'est à cause de ce type de choses. Des fois, on a envie de faire jeune, parce qu'il n'est pas capable. Si n'est pas capable, il peut donner, le fond, non, il n'est pas fait. C'est à cause de ce problème. Elle manque d'amour. Elle est sur le moyen d'affaire. La côte, Jésus n'a pas été. Il n'a tout le temps les ténèbres. Jésus amène l'amour. Le diable qui va amener. Il peut amener la haine. Il peut amener la jalousie. Il peut amener la rancune. L'impardon. Et là, je ne suis pas capable de trouver son mari. Mon Dieu, je ne suis pas capable de trouver son mari. Mon frère, monsieur, c'est son mari, ça. Je ne suis pas capable de trouver sa copine là. Je ne suis pas capable de trouver sa fiancée là. Je suis c'est son fiancé, ça. Ayoute les coordinates le tout. Ayoute les coordinates la case. Ayoute les coordinates ceci. Ayoute les coordinates celui-là. Ayoute, qui peut faire ça comme un lingue. Mon frère, c'est ce qui te chose. Un quelqu'un qui jalousie, c'est un quelqu'un qui possédait avec un esprit d'esclavage. Un quelqu'un qui possédait avec son état d'esprit-là, c'est un quelqu'un qui est encore possédé avec un esprit d'esclavage. Un esclave qui vit comme ça. Vous comprenez ce que Christ fait pour nous? Nous la croix. Pour qu'il ne pas vivre comme ça. Le verset 12 dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Les problèmes, c'est quoi? Nous ne sommes pas capables de compter entre nous-mêmes. Comment nous allons nous trouver une scène à cette haine-laise? Nous faisons ça. Ah, tu le crois, il y a cette haine parfaite côté Yves Rocher. Ah, moi, ici, mon verset haine parfaite côté Yves Rocher. Aïe, aïe, aïe. Nos problématiques. Voilà qui fait nous ne sommes pas capables de faire les choses. Voilà qui fait nous ne sommes pas capables de faire les fruits. Voilà qui fait, et l'Église dit, afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Qui fait nous pas capable pour le bon fruit? Parce que c'est un type de mentalité là. Il dit, et que votre fruit demeure pour que tout ce que vous demandez au Père. Bien aimé, c'est un type de problème là. Nous pas capables, écoute-moi bien, nous pas capables de prospérer. Premièrement, nous perdons nos connexions avec bon Dieu. Combien de chrétiens nous connaissent de la jalousie? J'étais venu à l'église, j'ai trouvé un frère, une sœur, un leader, et dans le tout, on va prendre le nom, c'était le tout. Il y a des gens qui ont beaucoup de monde qui disent, ah, pasteur, ce que vous pouvez dire là, c'est bon, ça fait comment il y a du monde qui dit, moi, ça m'a fait là, pasteur, oubliez que ça en privé. Nous pas capable que ça en public. Bien aimé, est-ce que je vous dis une affaire? Du monde, le monde connaît comment nous était. C'est pour cela que moi tout le temps m'encourage, ban chrétien. Connaît comment comprendre. La Bible dit comme ça, vous êtes des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Nous, un enfant de lumière. Laisse qui réellement nous mange comme un enfant de lumière. Laisse qui nous arrête mange comme un enfant du ténèbre. Laisse qui nous arrête mange comme un enfant qui vraiment qui peine là, qui pas connaît la volonté de bon Dieu. Nous connaît qui ne bise pas jaloux, nous connaît qui ne bise pas jaloux nous prochains, pas jaloux nous pasteur sur femme, pas jaloux nous pasteur lui-même, pas jaloux sur le tout, pas jaloux sur la case, pas jaloux sur bons enfants, mais nous continuons jaloux. Il dit pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Comment quelqu'un de nos jours dans la chrétienté pas peut porter du fruit? Au fait, je t'invite une personne à la recherche des solutions. Je ne suis pas un chrétien. Yes. Et une personne, pasteur, m'a envie prier pour moi pour ce problème-là. Priez pour moi pour cette situation-là. Priez pour moi pour ça. Un point, c'est tout. Mais c'est comment vous la vie chrétienne était? Mes frères, comment vous la vie chrétienne? Moi, voilà, frère, on connaît nous dans la chair. La chair est faible, l'esprit bien disposé. Ah, mon frère, il n'est pour qu'il nous quitte ce niveau-là. Il n'est pour qu'il réellement nous quitte ce niveau-là. Est-ce que je peux comprendre moi? Il n'est pour qu'il nous quitte ce niveau que souvent nous dit la chair est faible, l'esprit bien disposé. Bon Dieu, papa, prend plaisir. Nous pas capable d'être un ami de Dieu. Beaucoup de monde dit, ah, moi, un ami de Dieu. I am a friend of Jesus.
Il me dit, I am a friend of Jesus. Il peut checker qui bag l'eau et n'a pas frère à sa femme. Le temps, il peut dire, I am a friend. Il peut guetter qui linge, il mettait pour qu'il se mette pour au sein. Il est capable de faire la stène, l'autre linge, pli mort qu'il lit pour lui montrer qu'il s'en sait. Il n'a plus beaucoup qu'à ce qu'il lit. Les temps finis venir pour qu'il réellement nous convertit. Les temps finis venir qui vraiment nous donne le cœur à Jésus et nous vienne un ami de Jésus. Oui, les temps finis venir. Mon Dieu finit que moi follow là, c'est moi David. Voilà qui fait. Beaucoup de personnes pas capables d'être prospérées. Hein? Je pas capable du fruit. Je pas quand je te prie, mon Dieu pas tant de qui fait à cause de ce type de problème là. Je pas capable de connecter de la présence de Dieu. Fini prier, Seigneur, je te loue, je t'adore, etc. Comment elle finit dire Amen. Il y a un téléphone, un frère, une sœur, et une trousseau sur linge immense, une trousseau sur les talons, 15 cm, etc. Une trousseau maquillage, une trousseau make-up, une trousseau manicure, une trousseau ci, une trousseau sur rouge à lèvres, une trousseau sur annonce. Mon frère, monsieur, il y a l'air pour qu'il nous quitte sa main d'affaire là. Pasteur, c'est coupé, dire là, faux. Oui, il faut. La Bible dit comme ça, dans Ephésiens. Les cinq ministères, c'est un perfectionnement. Nous là pour amener nous à la perfection. Alors, ce soir, nous pour prier, nous dire Seigneur, vraiment remplis-nous avec cet amour. Remplis-nous avec cet amour réellement. Parce que je connais. Comment le matin, je fais une cause avec mon fils, je me dis nous avons l'amour pour être pauvres, mais nous avons l'amour pour nos pasteurs. Ah, ça c'est faux ça. Nous capables, je n'ai pauvre aussi, mais nous donne même 10 000 roupies. Mais comment nous trouvons un pasteur, nous relis sur la terre, nous relis voler. Nous pour capables, donner un pauvre linge, vêtements, etc., donner la case, etc. Mais nous pas pour capables, get l'homme de Dieu qui peut prêcher à nous. Parce qu'il y a un voleur. Parce qu'il y a un escroc, il prend la dîme et les offrandes, il bise un travail, etc. Oui, c'est la vérité. Hein. C'est la vérité. Moi, mon promet de bon Dieu pour cause la vérité. Et il est triste. Il est bien triste. Qui fait nous peinons l'amour. Nous peinons l'amour des fois pour le bonhomme de Dieu. Nous peinons l'amour pour nos bonnes leaders. Nous peinons l'amour pour celui qui peut enseigner nous. Nous peinons l'amour pour nos femmes. Nous peinons l'amour pour nos maris. Alors bien-aimés, ce soir, je vous encourage. Pour vraiment demander bon Dieu. Et Seigneur, je voulais recevoir de l'amour ce soir. Seigneur, je suis fatigué vivre dans l'hypocrisie. Qui vous peut attendre? Dis-moi qui vous peut attendre. Établissement, ou bien on veut être établi. Ou bien on veut vivre millionnaire, milliardaire, etc. Ou bien on veut que bon Dieu vraiment faire où? Demeurer avec lui. Simple, vivre dans l'amour. Vous savez, je connais sa semaine-là, depuis semaine dernière, je peux dire, ça va un moment qui nous peut vivre là, et semaine qui peut venir là, nous fait 6 ans. Du ministère David Ministries. Et il y a beaucoup qui viennent vraiment être là comme une bénédiction pour nous. Mais il y a beaucoup qui viennent aussi qui viennent là pour blesser nous, pour faire nous dire. Mais il y a un mot de Seigneur pour contenter. Des fois, nous disons Seigneur, mon content avec mon amour. Non, Seigneur, mon content avec de l'amour. Tout du monde connaît qui des fois la vie est compliquée dans certains sens. Même si nous ne peut vivre pas la foi. Mais bien aimé, moi encourage-toi. C'est Seigneur, moi les content avec ton amour ce soir. Ah, là que tu étais bien aimé, moi invite-toi maintenant pour prendre la Sainte Cène de ton armée. Prends du jus de raisin, prends du pain pour participer à ça. Amen. Et je crois que ce soir qui se finit de béni. Moi, crois qu'il se soit de finir de béni avec sa exhortation. Là. Prends, je de la Sainte Cène dans de l'armée. Et me demande juste une petite chose avant qu'il se finisse la Sainte Cène pour prendre le temps pour faire la Sainte Cène et qu'aujourd'hui, Dieu ne dit à moi non, David.
Je connais, avant que je pense à la sainte scène là, est-ce que je suis capable de réfléchir à mes affaires? Yes, Seigneur, si arrivé mon frère qui t'errer avec qui homme de Dieu ou un pauvre, avec mon sœur, mon leader, mon femme, mon mari, mes enfants, mon papa, mon maman, mon tonton, mon tantine, peu importe, Seigneur, pardonne-moi. Qui s'accouple là par venir un jugement contre moi-même, mais qui se soit me prendi digne, une coupe digne, avec un examen, avec une pensée qui m'examine moi-même avant qu'il me prend ça. Vous êtes les temps fin vini, laissez-moi dire, on a fait Jésus à la porte bientôt, il peut venir. Il nous a fait ceci en mémoire de Dieu. Mais si tout le temps, nous avons envie seulement prospérer, nous avons envie réussir, et ne pas examiner nous les cœurs, est-ce qu'il réellement me vivre dans l'amour? Est-ce qu'il réellement me vivre comme Jésus en vie? Est-ce qu'il réellement mon ami de Jésus? De nos jours, comment me dire, mon mentor c'est ça, mon père spirituel c'est ça, mon coach c'est ça, mon pasteur c'est ça, mon mal côté un tel, je suis pas un ami de Jésus. Bien aimé, laisse-moi dire, moi pour préférer, je n'ai aucun coach, je n'ai aucun mentor. Même si moi bien dit, moi pour préférer, je n'ai aucun père spirituel, même si moi bien dit, mais moi n'ai Jésus comme ami. Parce qu'il est recommandable cela. Est-ce que je peux comprendre moi? L'irrécommandable. Alors, ce soir, je vais exhorter pour que je sois capable d'être un ami de Jésus. Un ami de Jésus aimé en tout temps. Il est là pour donner la vie pour ce man camarade. Vous êtes, moi, je ne passe pas ma trahison pour mon ami. Je ne passe pas mon ami qui finit de dire, oui, nous pouvons avec toi, David. Nous pouvons ensemble avec toi. Nous pouvons commencer avec toi. Nous pouvons aider toi. Ah, nous pouvons là, David, vraiment. Nous bien apprécier ton ministère, David, etc. Que des blabla. Nous finissons manque sagesse. Nous finissons manque discernement, Père. Pour nous manifester ton amour dans nous la vie. Seigneur, toi, tu connais dans nous les cœurs plus profonds de nous les cœurs, qui problème, qui sentiment nous a. Mais Seigneur, ce soir, je te demande la grâce de bonté qui manifestée. Seigneur, te parle de nous, Seigneur, ainsi moi, devant toi comme un enfant. Si arrivé, je suis capable de manifester l'amour, Seigneur, envers une personne qui me supposément bien manifester. Seigneur, te parle de moi, si un côté, je suis capable de faire une erreur consciemment. Dans mon cœur, dans mon pensée, Seigneur, dans mon esprit, Père. Me demande-toi pardon. Seigneur, me demande-toi, aide-moi pour manifester tout l'amour, Seigneur, envers toute personne capable de blesser moi, de cause moi, même sur la média, même dans l'église, même dans cette communauté pastorale. Seigneur, aide-moi, papa. Et me pardonne cette bonne personne. Me relâche, Seigneur. Désormais, entre moi et que je n'ai pas de le diable n'a pas capable d'accès. Et mon pot de bon fruit, bon fruit durable, parce que mon pot demeure en Jésus. Carabaché qui était beau ça. Seigneur, ce soir, me déclare cela et m'appelle à l'existence, bon bénédiction qui m'ont perdu. Aïe, aïe, aïe. M'appelle à l'existence, bonne bénédiction, Seigneur, qui m'ont en retard pour prendre. Parce que mon manque de connaissance, finalement, pour périr. Ce soir, me rattrape tout mon bonne bénédiction. Me regagne. Tu sais qui m'ont perdu, me revivre d'un repositionnement, une restitution apparaît dans mon vie à partir maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, la continuité, élève-toi la voix du Seigneur, restaure-moi. Restaure-moi, Père, et donne-moi ce soir. Donne-moi, Père, ce soir, de l'amour tous les jours de mon vie. Remplis-moi avec ça. Afin que, quand mon guide les autres, me manifester de l'amour. Dans le nom puissant de Jésus. Prends-toi la Sainte Seine de te l'armée, là que tu étais, dans la maison, capable de faire que tu travailles, de fatiguer, peu importe. M'invite-toi pour prendre la Sainte Seine. Guide ça juste de raisin là ensemble avec moi. Guide ce que Christine fait pour toi. Guide ce que Jésus manifestait pour toi. Il manifestait, il montre toi qui se disant là aujourd'hui, qui se les corps là. Parce qu'il est fin compte en toi. C'est pour cela qu'il te besoin manifester l'amour. C'est pour cela qu'il te besoin manifester l'amour envers tes frères, envers tes sœurs. C'est pour cela qu'il te besoin manifester l'amour envers toute bonne personne qui te connaît. L'amour de la vérité, l'amour de la franchise, l'amour. C'est un message à entendre. Mais bien aimé, ce soir, je l'encourage toi.
pas oublier ce que Christ fait pour toi. Si Christ n'a pas fait ça pour toi, tu es sûr qu'il a fait ça pour les autres. Amen. Père, au nom de Jésus, me bénisse à la Sainte Seine, là, papa. Me déclare cela un symbole ce soir pour un symbole de te disant et de te l'écho. Et Père, me déclarer, Seigneur, quand nous peut prendre la Sainte Seine, nous peut prendre la force, le courage, l'énergie, la santé, tout la vigueur qui bizarre nous prend ce soir. Et me déclarer, Seigneur, qu'au moment qu'il nous prend, nous participe à la Sainte Seine ce soir, Père, me déclarer qui nous tout qu'il a, Seigneur, être rempli de tout l'amour. Et Seigneur, qui vraiment nous vive de la grâce, de bonté, Seigneur, donne-nous la vie. Seigneur, si nous vivons d'un manquement, qui te l'écho amène une prospérité. Si nous vivons, Seigneur, nous l'écho, les malades capables de venir quelqu'un soit qui malade ce soir. Me déclare, Seigneur, qu'il y gagne sa guérison au moment qu'il y participe à cela. Dans le nom de Jésus et nous tous qui croient nous dire, amen, je suis capable de prendre le jus de raisin et le pain. Seigneur, nous l'aide de toi gloire ce soir. Nous l'aide de toi merci, Seigneur. Parce que sans toi, papa, nous ne sommes pas capables de faire l'année. Ah, Jésus, sans toi, nous ne sommes pas capables de faire l'année. Seigneur, tous ceux qui sont connectés ici ce soir, Père, me place devant toi. Me place devant toi, Seigneur, me demande de la grâce. Me demande de bonté, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont connectées. Me place, Seigneur, toute bonne personne qui est connectée devant toi, capable de faire face à une situation, peu importe je te requête de prière. Seigneur, me place devant toi, me demande-toi, localise. Seigneur, capable de problème, Seigneur, un peu trop gros pour eux, ou soit un peu trop gros pour moi. Mais Seigneur, pour toi, non. Ah, Seigneur, pour toi, non. Et c'est pour cela, ce soir, Seigneur, me demande de la grâce, de l'onction manifestée. Localise chaque personne qui lave ce soir. Toute bonne personne qui lave ce soir, Seigneur, localise et qui ce soir même, Seigneur, je te gagne, je te miracle, je te guérison. Prends te délivrance ce soir au nom de Jésus. C'est le jour de ta visitation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À partir aujourd'hui, te vivre te miracle. Moi, pas connais comme les temps te n'attendent, comme qui gagne te final guetter. Mais écoute-moi bien. Ce soir, c'est le jour de ta visitation. Prends te délivrance ce soir au nom de Jésus. Me trouve en personne d'être guéri et délivré ce soir. Toi qui finis perdu travail, me crois que ce soir, la grâce de mon Dieu localise-toi. Il y a beaucoup de personnes qui sont connectées ce soir. Je peux dire, commence mon business. Je peux être bloqué. Commence ce business ce soir au nom de Jésus. Seigneur, moi dis-toi merci pour cette visitation. Moi dis-toi merci parce que le ciel est ouvert ce soir et que la grâce localise chaque personne qui est connectée à ce live. Seigneur, nous dis-toi merci pour ce moment qui nous est passé dans ta présence. Merci Seigneur pour toute la grâce. Merci Seigneur qui, ça, oh Dieu là, Seigneur, peut bénir la vie de ma personne. Me déclare, Seigneur, cette semaine bénie. Me déclare, cette semaine, Seigneur, une semaine glorieuse, une semaine extraordinaire, une semaine qui nous peut prospérer, qui nous peut avancer, qui vraiment, Seigneur, nous réussit dans tout ce qu'il nous fait. Me prophétise le jeu de la vie ce soir qui jette la tête et jamais la queue. Me prophétise que tout ce manquement qui se tenait cette semaine, ça m'a manquement là disparaître. Me ordonne maintenant même qu'il m'a une courbe vie nourrisseuse. Ah, me déclarer que quand tu peux marcher, non, il n'y a pas possible pour toi. Me déclarer que ton grenier est rempli, les travails de ton armée est béni, tout ce qui te touchait fleurit au nom de Jésus. Là que te foule la plante de tes pieds, te prend possession sa terrain. N'en n'y est pas pour manquer. Et me déclarer que ce soit un ami de Jésus. Au nom de Jésus, nous te croyons nous dire amen. Voilà, me crois que réellement ce soir, je fais une passe, une excellente soirée avec nous. L'eau nous audio live et me demande juste pour la grâce de Dieu et je suis capable de soutenir nous avec ce bandon, je suis capable de soutenir nous avec cette offrande. Amen, amen, parce qu'il est tellement important, comment je te connais, nous capables de venir à l'onction, mais finance aussi bien important. Il y a beaucoup de personnes, je les remercie aussi, toutes les personnes qui finissent là, qui finissent avec ce don pour qu'ils nous capables de continuer à faire ce œuvre avancer. Amen, amen. Je demande ce soir, je qui là qui est intéressé pour faire un don, parce que vraiment, nous avons une personne défavorisée qui nous paye, comment je prends soin. Alors, tout bon don financier, la bienvenue, je rentre en contact avec moi, mon numéro de téléphone, et là, nous sommes capables de faire les choses, explique comment nous sommes capables de récupérer ce don. Amen, amen.
Et alors ce soir, je voulais dire merci, je voulais remercier tout mon partenaire financier, je voulais remercier tout le monde qui finit là, qui finit suivre ce live, qui finit les cœurs pour recevoir, qui finit vraiment fidèle, qui finit dire ok, audio ou vidéo, nous pour là, nous. Amen, amen. Alors, je voulais remercier de tout les cœurs, qui bon Dieu les bénisse, merci pour votre participation, merci pour votre fidélité, l'eau nous passe, votre qui là, je voulais vous porter ça audio là, je voulais dire pénancé, cher. Parce que David fidèle, mais moi, je suis trop fidèle. Ok, je voulais tout qui là, toute la personne qui là, au moins une chair, il est possible, non? Alors, porte à ça. Parce que des fois, nous passons le temps portant à une petite chose débile, mais la parole de Dieu est importante. Alors, porte à cela dans un groupe, porte à cela maximum de personnes. Et c'est là que nous pouvons la gloire de Dieu manifester. Amen, amen. Que bon Dieu, les bénisse abondamment. Nous pourrons retrouver nous samedi prochain. Avec une vidéo live. C'est sûr que nous faisons une vidéo live. Et nous avons des surprises la semaine prochaine. Je demande de tout connecter. Nous pouvons passer un moment extraordinaire. C'est l'anniversaire de DM Ministries. Hallelujah! Happy birthday! Alors, je crois que nous pouvons pas faire ça. Par la grâce de Dieu. Et nous pouvons avoir un petit peu d'expérience qui nous fait faire avec Zeut. Et c'est là que vraiment la grâce de Dieu pour localise nous la vie. Et je prie que la grâce qui accompagne ce ministère pendant 6 ans, ce même grâce accompagne Zeut la vie aussi. Amen, amen. Que bon Dieu les bénisse. Nous retrouvons samedi prochain. Côté là, nous sommes capables de porter avec Zeut la parole de Dieu. Et côté là, vraiment, nous sommes capables d'apprendre encore. Amen, pas oublier, avant que Zeut allait. Je suis intéressé pour prendre le livre Servir Dieu dans sa jeunesse et aussi les candidats au mariage à 300 roupies seulement. Alors, il est bien disponible en papier et en électronique. Alors, je suis capable d'avoir mis ça parce que je suis intéressé pour prendre le livre. Pas de commande, je qui connais la fin du mois, je pour prendre. Pas de commande de suite, pasteur. Pour moi, je prends 3 livres, 4 livres. Je pour bénir mon kikin de ma famille, je pour bénir mon neveu, je pour bénir mon garçon, je pour bénir mon âne. Peu importe, pas de commande, prends le livre. Lis important, 2 livres pour 300 roupies seulement. C'est un prix vraiment abordable. Et le livre lit déjà en promotion. Alors, pas oublier, pas de commande, le livre. Amen. Avant qu'il me termine, je voulais aussi faire appel qui. Comment appeler ça? Nous avons une prédication qui peut être diffusée sur YouTube. Ok, je suis capable d'aller, je suis capable de guetter. Et bien important, subscribe à notre channel YouTube, David Ministries TV. Et c'est là que réellement je suis capable de guetter tous nos bandes l'enseignement. Amen, amen. Et je vous donne rendez-vous samedi prochain. Côté là, nous pouvons partager un moment extraordinaire. Et venez avec la foi. Sans la foi, nous ne sommes pas capables de faire rien. Et sans la foi, nous pas capable vivre la Bible dit il est impossible pour plaire à bon Dieu sans la foi. Vraiment, c'était un plaisir pour être ensemble avec vous ce soir. Qui bon Dieu les bénisse à alors maintenant on est encouragé pour qu'ils soient capables de soutenir nous. Soutenir nous par la prière, par le jeûne, soutenir nous avec un verset biblique, un encouragement. Vous êtes nous bien encourage nous les uns les autres. Et aussi, elle nous a fait bien important, vous êtes capable d'encourager nous avec ce don. Financièrement, je suis capable d'encourager nous parce que nous là, nous pouvons faire un don, ok, de tout le cœur afin que sa ministère là capable d'aller de l'avant. Alors, je crois vraiment mon assurance que sa message là pour bénir toi et pour bénir deux générations qui bon Dieu les bénisse abondamment.